ouvrage « Lire, interpréter, actualiser, pourquoi les études littéraires », Yves Citon consacre tout un chapitre à la connotation. Il y dégage trois modes de fonctionnement de la représentation slash interprétation dans le cas de Citon. Le premier qui exploite ce que Citon nomme des qualités communes, soit un rapport de similitude entre le représentant et le représenté. Le deuxième qui traite de correspondance dans les faits, d'indices pouvant être interprétés d'une manière causale. Et le troisième qui porte sur les différents codes, dont le langage en est un exemple. J'ai si peu de voix. Pour Citon, ces modes, je le cite, se superposent, se relaient ou s'entremêlent souvent dans la pratique. Ce qui permet de dire que la communication, et particulièrement celle produite par la littérature, engendre une multiplicité interprétative. Citon explique bien que la structure communicationnelle de la littérature repose, je le cite, sur l'exploitation simultanée de virtualités connotatives, soit sur la nature même du signe utilisé pour exprimer un énoncé en fonction des multiples sens, donc des connotés, qu'il peut remplir. Notre communication aura pour but donc de réfléchir l'actualisation littéraire telle que définie par Citon à l'aide de ces virtualités connotatives dans le roman « Conversation à la cathédrale » de Vargas Llosa, qui a été publié en 1973 pour la traduction française. Donc, tout au long du texte, le lecteur découvre le paysage de Lima, qui est la capitale du Pérou, Lima dans les années 1940-1960. On la découvre au travers des déplacements topographiques des différents personnages. Bien plus qu'une visite touristique, il s'agit plutôt pour le lecteur d'actualiser une cartographie sociopolitique d'un espace-temps spécifique. Nous analyserons donc le double niveau d'actualisation qui a lieu autour de Lima dans le roman. D'abord par la structure narrative qui relate des faits passés, hein, rappelons que Vargas Llosa finit d'écrire son roman donc en version originale en espagnol en 69, soit bien des années après les événements que lui-même relate dans son texte. Et en second lieu, nous analyserons notre propre expérience de lectrice qui n'a jamais mis les pieds au Pérou. Le choix de notre corpus nous permet ainsi d'incorporer l'œuvre contemporaine à la théorie citonienne, qui est très absente, l'œuvre contemporaine, pas du tout en fait, en réorientant cette dernière grâce au concept de chronotope de Michael Bakhtin, développé dans l'ouvrage Esthétique et théorie du roman. En effet, le chronotope deviendrait un cadre de virtualité connotative ancré narrativement dans la sémiotique topographique de Lima, démontrant que l'actualisation ne nécessite pas de présence corporelle, mais se construit plutôt par un réseau de signifiants tissés à l'aide de valeurs chronotopiques parsemant le récit. Cela permettrait alors au corps de se déplacer virtuellement dans celle-ci et ainsi d'engendrer un processus d'actualisation. Pour commencer, je vais résumer quelque peu le roman. Donc, Conversation à la cathédrale relate l'histoire de la famille aisée de Santiago Zavala et de son entourage. En discutant avec l'ancien chauffeur de son père, Santiago va apprendre les secrets qui bercent le quotidien de plusieurs membres de sa famille et par la même occasion, il va comprendre et établir des liens qui unissent certains membres de sa famille avec le régime dictatorial à ce moment-là. Donc, grâce à la pluralité des voix, le récit met principalement en place le milieu social et politique du Lima des années de dictature de Manuel Adria, donc d'après de 48 à 62, en y incluant le coup d'État de celui-ci avec ses acolytes et leur chute. Chaque déplacement, chaque rencontre des personnages permet au récit de dévoiler l'histoire, de constituer selon nos propos un chronotope nécessaire à l'actualisation. Dans son ouvrage « Esthétique et théorie du roman », donc Bakhtin définit ce concept comme, je le cite, « la corrélation essentielle des rapports spatio-temporels ». Il écrit clairement, toujours en le citant, que dans le chronotope de l'art littéraire a lieu la fusion des indices spatiaux et temporels en un tout intelligible et concret, expliquant de ce fait, selon nous, l'actualisation commune et cohérente au sein des différents paliers interprétatifs. Donc, on va commencer par analyser le premier tissage chronotopique dans le récit, soit celui de l'auteur qui écrit des années après l'origine d'Adria. Donc, les structures narratives dans le roman laissent apparaître l'hiérarchisation sociale qui forge Lima. À travers les personnages des chauffeurs, des hommes de main, des femmes de ménage, des cuisinières, c'est toute la vie de Lima que le lecteur découvre. Prenons en exemple le couple Trinidad et Amaya. Donc, c'est un couple de personnel de soutien, en fait, pour différentes riches familles de la capitale. Je fais une petite mise en contexte. Amalia est engagée comme femme de ménage,
chez une chanteuse, danseuse aussi de cabaret, qui est la maîtresse de l'homme le plus redouté du régime, nous dirions le bras droit du régime. Travaillant antérieurement pour la maire de Santiago, Madame Zuala, Amalia décrit son nouvel espace de travail en fonction de son expérience passée. Elle dit « Je suis mieux que chez Madame Zuala », pensait Amalia, « mieux que dans le laboratoire. Pourquoi se sentait-elle si contente dans la maisonnette de San Miguel ? Elle était plus petite que celle de Madame Zuala, avec deux étages aussi élégants et le jardin drôlement bien soigné, salut. » Plus loin, elle va décrire l'intérieur de la maison. Et là, on va comprendre que cet intérieur-là est chargé, est incohérent, et il va témoigner en fait de soirées de débauche. Je cite « Amalia avait un faible pour le bar, les bouteilles avec leurs étiquettes de toutes les couleurs, les petits animaux de porcelaine, les boîtes de cigares enveloppées de cellophane. La table de la salle à manger était plutôt bizarre, à moitié ronde, à moitié carrée. Il y avait de tout dans le buffet. Comme c'était drôle, toutes ces boîtes de conserve par centaines, avec leurs couvercles rouges et leurs Donald de canard, leurs Superman et leurs Mickey Mouse. De tout dans le garde-manger. Dans le frigidaire énorme, il y avait des légumes et des bouteilles de lait à revendre. » Fin de la citation. Tout au long du texte, donc, San Miguel résonnera ainsi comme un lieu de fête de la haute bourgeoisie de Lima, contrastant avec le quartier du Miraflores, où vivent les parents de Santiago. En effet, les dialogues rapportés par le narrateur témoignent de la richesse des habitants du Miraflores, voire de la noblesse de certains. Mais le quartier de Miraflores va surtout témoigner de la proximité de ses habitants avec le régime, qui s'enrichissent constamment sur le dos des plus pauvres. Quand Santiago présente pour la première fois sa femme, Anna, qui elle est originaire d'une région périphérique de Lima, la région d'Ica, et qui en plus travaille comme infirmière, donc quand Santiago la présente à ses parents, à son frère, à sa sœur, la mère de Santiago dira, en s'adressant à son mari, ne vois pas qui il a épousé. Tu ne te rends pas compte, tu ne vois pas. Comment vais-je accepter, comment puis-je voir mon fils marié avec une fille qui pourrait être sa domestique ? La famille Zavala semble clairement plus riche, voire plus empreinte d'un snobisme, vestige d'une quelconque noblesse déchue. De plus, les descriptions narratives de cette séquence révèlent un rapport de centre à périphérie entre la capitale, Lima, et ce qui l'entoure, dans ce cas-ci, Ica. Anna apparaît alors d'une classe sociale nettement inférieure. Je cite. Elle ouvrait la bouche. « Dans quel collège tu as fait tes études, Anna ?» Et l'atmosphère s'alourdissait. Le collège Maria Parado de Bellido était un collège national, non ? Et ça rajoutait des tics et des tremblements. Ah, elle avait fait ses études d'infirmière. Sur le visage de maman, non pas comme volontaire de la Croix-Rouge, mais comme professionnelle. Alors comme ça, tu savais faire des piqûres, Anna. Alors comme ça, tu avais travaillé à la maison de santé et à l'hôpital ouvrier d'Ica. Fin de la citation. Le texte informe ainsi le lecteur de la hiérarchisation des espaces. On peut travailler dans des hôpitaux, mais symboliquement, tous les hôpitaux ne se valent pas. On peut faire ses études jusqu'à l'université, mais toutes les universités n'ont pas la même symbolique. Encore une fois, l'expérience de Santiago prouve cette connotation des lieux dans la société liménienne. Le protagoniste choisit l'université de San Marcos plutôt que la faculté catholique. Cette université, San Marcos, est l'endroit où il découvrira le communisme et où il militera férocement contre le gouvernement d'Odria, celui-là même qui l'avantage et qui le nourrit, en fait. Et il va militer au milieu de camarades blancs, noirs ou jaunes, pour reprendre les propos du père, donc un environnement mixte. De son entrée à San Marcos, Santiago dira d'ailleurs à sa mère « Je n'aurai plus jamais à fréquenter des gens comme il faut, tu ne peux pas savoir comme je suis content. » Fin de la citation. Cette cartographie de la société connote une cartographie du politique dont la dictature devient toujours la trame de fond. La dictature peut alors se définir comme un chronotope sous-tendant le récit. Par ailleurs, Bakhtin explique clairement que, je le cite, « le chronotope a une importance capitale pour les genres, puisqu'il détermine ces derniers. » C'est donc un réseau de signifiants spatio-temporels à même le texte qui déterminerait la classification générée, soit l'angle d'actualisation. Dans l'histoire littéraire hispano-américaine, Carolina Ferrer explique bien, je la cite, que le thème de la dictature est si présent que le roman de dictature constitue un genre à part entière. Cependant, si nous suivons Bakhtin, il existe plus qu'un chronotope à l'intérieur d'un même récit. Jean-Marie Schaeffer lui-même dira, et à juste titre, que l'œuvre littéraire est un objet complexe. Je le cite,
Lorsqu'on parle des noms de genre, on est frappé par le fait que manifestement, ils ne se réfèrent pas tous au même ordre de phénomène. Fin de la citation. Comment donc notre lecture rejoint-elle le premier niveau d'actualisation, donc celui du récit, par le biais du chronotope de la dictature, et comment actualiser en fait toute cette masse de virtualité connotative en un seul chronotope générique, pouvant former ce que Citon appellerait une communauté interprétative. Donc chez lui, c'est vraiment ce qui permet la constante évolution de l'actualisation. Retracer exactement le même réseau de signifiants que l'auteur, c'est impossible. C'est pour ça qu'il y a plusieurs interprétations possibles d'un texte. Citon explique clairement, je le cite, que l'approche connotative consiste à aborder la communication non pas en fonction de l'information que veut transmettre l'émetteur dans telle situation de parole singulière, mais en fonction du signe utilisé pour transmettre ce sens. C'est-à-dire en fonction de tout ce qui peut être dit d'autre, en utilisant ce signe, ce qui constitue son signifiant. En ce sens, le cas de Liman en conversation à la cathédrale nous intéresse particulièrement, puisque chaque lieu ne possède qu'un signe précis dont le signifié ne dépend que de la compréhension, voire, dirions-nous, de l'attention apportée aux détails, au réseau de signifiants déployés dans le récit. Je cite un exemple que je ne contextualiserai pas tout de suite. La voiture partit en direction de la place d'Os de Mayo, tourna dans l'avenue Alfonso Ugarte vers la place Polonesi, prit l'avenue Brisée. Arrivés près du Malecón, ils entrèrent dans l'avenue Magdalena Nueva par une rue transversale, suivirent la voie du tramway jusqu'à San Miguel. De prime abord, cette séquence de déplacement à travers la capitale ne permet qu'un faible, voire absolument aucun début de processus d'actualisation quelconque. Surtout pour une lectrice comme moi, qui ne connaît pas physiquement la topographie liminaire. Ce sont les récurrences de ces lieux à travers l'action ou la parole des personnages, ce sont les indices, pour reprendre Citon, laissés ici et là dans le texte, ou l'utilisation d'un autre code que celui du texte, soit la carte par exemple, qui en fait m'a aidé à me repérer dans l'image. C'est ce qui m'a permis en fait après de me rendre compte que la séquence que je viens de présenter était en fait une poursuite, une traque à travers la ville. Nous en revenons donc à ces trois modes de fonctionnement de l'interprétation que je définissais au début de la communication, donc à ces virtualités connotatives qui s'entrecroisent toujours sur fond de chronotope dictatorial par le biais des déplacements du personnage. L'actualisation de notre part en fait, se joue donc avant tout sur la fonction de classification qui est en cours tout au long de la lecture. Citon écrit que la connotation est un classement second qui, je le cite, redistribue les sens en fonction des signifiés auxquels ils appartiennent. Dans son ouvrage « La raison graphique », Jack Goody démontre que l'écriture entraîne forcément une classification parce que les répétitions sont possibles et infinies, mais aussi et surtout qu'il y a possibilité de compiler des données, donc de les retravailler. Le chronotope devient ainsi l'outil de l'actualisation pour la lectrice qui ne connaît pas du tout l'image. Loin d'être contraignant, au contraire, il indique, il guide et il permet éventuellement un reclassement, un retravail interprétatif, fonction accordée chez Citon à la communauté interprétative. Une œuvre n'est jamais uniquement un texte, nous dit Schaeffer, c'est-à-dire une chaîne syntaxique et sémantique, mais elle est aussi et en premier lieu l'accomplissement d'un acte de communication interhumaine, un message émis par une personne donnée dans des circonstances et avec un but spécifique, reçu par une autre personne dans des circonstances et avec un but non moins spécifique. Fin de la citation. Cette communication n'étant possible évidemment qu'avec la participation des deux parties. La lectrice, non initiée à l'IMA, doit donc investir le texte et s'y investir aussi. Il faut se promener symboliquement dans l'IMA pour suivre les contours de cette carte sémiotique, pour suivre les virtualités connotatives dont sont gorgés les différents lieux, convergeant en un chronotope de la dictature, lequel permet une actualisation affinée du contexte politique dégagé dans le texte. Lire l'IMA, c'est en fait filer une métaphore. Dans le premier tome de l'invention du quotidien, Michel de Certeau explique, enfin j'ai envie de dire raconte, tout ce qu'il explique. Dans l'Athènes d'aujourd'hui, les transports en commun s'appellent métaphora. Pour aller au travail, on rentre à la maison, ou rentrer à la maison, on prend une métaphore, un bus ou un train. Les récits pourraient également porter ce beau nom. Chaque jour, ils traversent et ils organisent des lieux, et ils les sélectionnent et les relient ensemble, ils en font des phrases et des itinéraires.
À cet égard, les structures narratives ont valeur de syntaxe spatiale. Avec toute une panoplie de codes, de conduites ordonnées et de contrôles, elles règlent les changements d'espace ou circulation effectués par les récits sous la forme de lieux mis en série linéaire ou entrelacés. La lectrice, moi, dévoile donc une syntaxe liménienne dont les déplacements des personnages en sont les mots. L'actualisation peut prendre différents chemins au sein du chronotope de la dictature, mais ils permettent tous de cartographier le contexte sociopolitique de Lima dans les années 40-60. Pour conclure, je dirais que ma recherche avait pour but surtout de mettre en pratique le processus d'actualisation tel que Citon ne le définit que théoriquement. Pour cela, je voulais apporter des nuances grâce à Bakhtin et avec son concept de chronotope. Je trouvais qu'il manquait aux virtualités connotatives de Citon la possibilité de lier les différents paliers interprétatifs qu'entraîne forcément la lecture littéraire, qu'il manquait en fait à la communauté interprétative une certaine pratique, un outillage en fait de lecture à la théorie. Le chronotope devient ainsi le cadre permettant un début d'actualisation, une incarnation pratique de la communauté interprétative. Dans Conversation à la cathédrale, la dictature, qui façonne donc le contexte sociopolitique liminien, pose le cadre d'une cartographie de Lima, à travers d'abord les yeux de Vargas Llosa, qui est péruvien, a peut-être mis ou pas les pieds déjà dans sa capitale, et à travers mes propres yeux, dont je suis sûre qu'il n'a jamais croisé quelconque bâtiment de Lima, en vrai. C'est ainsi qu'on comprend que la chute du gouvernement d'Odría ne peut mener qu'à la chute symboliquement, j'entends ici, de la maison de San Miguel, de la maison du Miraflores. Donc tout ça symboliquement. Que le récit intrinsèquement est lié en fait à la répartition spatio-temporelle des éléments le structurant.